Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve juste pour un nouveau test de jeu ici. Ziggurat, ou Ziggura, je sais pas vraiment comment on le prononce, qui m'a été généreusement offert par Mr. Pinku. Je mettrai son lien dans la description de la vidéo. Bon, je le remercie extrêmement de m'avoir donc offert ce jeu. Et c'est donc pour ça que je vous fais un petit test de ce jeu tout simplement. Donc disponible sur Steam depuis mi-août. Donc il est très récent, il est seulement en Early Access il me semble. Ou il est tout fraîchement disponible. On va dire point faible. Non, moi je voulais pas changer. C'est juste que le jeu est disponible qu'en anglais et espagnol. Il est disponible sur PC, Mac et Linux, donc sur Steam. Je ne sais pas à combien par contre, vu qu'il m'a été offert. Donc c'est un action RPG FPS, parce que c'est une vue première personne, où vous incarnez donc un... comment on pourrait dire ça, un sorcier, voilà, un sorcier néophyte où il vous faudra monter dans les échelons pour pouvoir débloquer des nouvelles armes, des nouvelles compétences pour pouvoir vider ou non la map. Donc en gros, que j'explique un peu le but du jeu, vous êtes on va dire niveau 1 d'un donjon. Vous avez une seule vie, par contre, c'est ça qui fait tout le jeu. Vous êtes niveau 1 du donjon, donc vous videz la zone du niveau 1. Vous battez un boss, et si vous le battez, forcément vous battez au niveau 2. Et ainsi de suite, jusqu'à X level. Sachant que moi, j'ai pas réussi à aller jusque la fin du niveau 3, je me suis fait péter en plein milieu. Et donc, si vous mourrez, vous recommencez tout, et forcément... faut tout refaire quoi. Donc ici, au début quand vous commencez, vous avez le choix pour un seul personnage, donc le sorcier, enfin un sorcier apprenti on va dire, et en fonction de ce qu'il faut faire dans les niveaux. Donc là ici, pour avoir un autre personnage, faut que je tue 200 mobs. Après pareil, faut que je tue 40 chamans et tout ça. Donc il y a plusieurs personnages disponibles. Le but du jeu est très simple. Après, les autres personnages, vous avez vu que je les ai pas, j'ai que le premier. Donc le but du jeu est très simple, il faut vider ou non tout le level et battre le boss de fin. Donc je vais vous montrer ça en live pour vous compreniez un peu plus. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas réussi à aller au-dessus du niveau 3. Sachant que la difficulté est vraiment là. Alors, donc vous commencez avec une arme de base. Donc voilà, vous pouvez avoir 4 armes, donc là je vais ramasser une deuxième. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier donjon où vous êtes est vraiment aléatoire. Là, je commence peut-être avec cette arme-là,
Si je quitte, je peux forcément commencer avec l'arme numéro 2 que j'ai pas ou l'arme numéro 3. Sachant que à chaque fois que vous commencez un donjon, on vous fait popper une nouvelle arme. Donc là, ici, j'ai l'arme 3. Si je vais peut-être dans l'autre, il se peut que j'ai encore l'arme 3. Bon, ça serait malheureux pour nous, mais c'est vraiment aléatoire. Je peux avoir aussi l'arme 2. L'arme 4, j'ai pas encore eu. Je sais pas s'il faut vraiment monter dans les échelons des niveaux pour le débloquer, mais je ne l'ai pas encore eu. Donc, vous voyez en haut à gauche, vous avez la minimap, je vous la montrerai comme ça. Donc, à chaque salle, il y a des sbires à tuer. Donc, je dois en avoir environ 10. Sachant que, pareil, les salles sont aléatoires. Vous pouvez avoir des salles où il faut tuer des sbires, des salles piégées. Donc, forcément, il y en a une dans chaque level de donjon. Il y a une salle avec un coffre qui vous donne une récompense aléatoire. Dans les récompenses aléatoires, à droite, vous voyez les trois barres. Donc, c'est forcément la magie que vous utilisez. L'arme par défaut, c'est la boule violette en bas à droite. C'est l'énergie de l'arme par défaut que vous avez forcément. Donc, là, vert, ça va utiliser la barre verte. Il y a également une barre bleue pour la deuxième arme. Et une barre orange, il me semble, si j'ai pas conneries. Pour l'arme 4, sachant que l'arme 4, je ne l'ai pas encore eu, donc je ne pourrais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est pour cette arme-là. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est tout simplement avancer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà, donc ici, j'arrive dans une salle, je vais pas rentrer parce que sinon ça a déclenché le truc. Vous voyez en haut à gauche que quand même la salle est assez espacée. Ça veut pas forcément dire qu'il y aura 50 millions de mobs. Je vous dis, il y a environ 10 mobs par vague. Et c'est suffisant. Donc, là, j'ai envie de dire chaque arme a un DPS différent. Donc là, on voit qu'il y a un DPS assez... pas médiocre, mais ça va quand même. L'arme 3, je pourrais pas l'utiliser parce que ça va utiliser mes 37 munitions, entre guillemets, que j'ai actuellement. Je préfère l'utiliser contre les sbires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. Donc, vous voyez que... Oh, je vous aime pas. Donc là, vous voyez que quand même le DPS est plus rapide. Hop. Donc ce que vous voyez, les trucs jaunes tomber des mobs, c'est l'expérience que vous gagnez. Et en haut, la barre rouge, c'est le nombre de minions qui restent dans la salle à tuer. Hop. Donc on drop de l'argent. Enfin, je suppose que c'est de l'argent, j'ai pas encore trouvé l'utilité encore. Ça sera peut-être montré par la suite, allez plus que toi. Voilà, donc les trucs jaunes qu'on ramasse, c'est de l'expérience. L'expérience, c'est la barre en bas. Et à chaque fois que vous montez en expérience, vous pouvez dévoyer une nouvelle capacité. Donc, soit vous pouvez avoir plus de mana, soit vous pouvez avoir un mode rage qui fait plus mal. Il me semble que c'est la salle du boss, ça, non? Non, c'est pas quoi la salle du boss. Je vais y aller. De toute façon, je ne peux pas mourir. Enfin, je ne peux pas mourir. C'est vite dit, parce que même sur des minions, je peux mourir. Alors, il faut faire attention, les zones vertes, c'est du poison, donc forcément, on ne faut pas aller dedans. Hop, faut essayer d'esquiver un maximum leur tir, parce que sinon, ça peut faire mal. Donc, vous voyez quand même que ils vous font popper tous les minions de la salle, et c'est à vous après de gérer... esquives entre guillemets, parce que vous pouvez pas esquiver, mais vous pouvez courir. Je joue à la manette. Au clavier, j'ai pas testé, mais à la manette, c'est facile à prendre en main. Et il n'y a pas vraiment de difficulté sur les maniabilités. Et tout, je voulais trouver assez rapidement. Bon, par contre, je vais le tuer parce que je vais me saouler sinon. Voilà. Alors. Vous avez dû remarquer que je drop des joyaux différents, donc là les jaunes c'est pour l'expérience. Vous ramassez des joyaux verts, là des joyaux oranges comme je vous ai dit ici pour la quatrième arme, vous voyez que ma barre à droite augmente. Donc c'est sur les mobs que vous ramassez vos munitions. Plutôt que de crever, voilà. Voilà, j'ai tué tous les minions, là je vais regarder s'il n'y a pas de... de munitions qui sont restées à terre, mais je pense qu'au bout d'un moment ils doivent disparaître. Donc là vous voyez que j'ai EP level 2 et en puissant Y j'ai droit à deux je sais pas si c'est des compétences, mais en tout cas c'est des améliorations. Donc en bas vous voyez les munitions, enfin ma vie et
les munitions qui me restent et le maximum de munitions que je peux transporter. Et là, il faudra choisir entre deux améliorations. D'un côté, si je comprends bien, je perds moins de vie au début de la bataille. Et il restaure la moitié de ma vie maximum. Bon, je vais prendre ça. Hop. Je viens de où? Je viens de là-bas, donc je vais essayer les portes. Moi, je préfère tout explorer et à... Je préfère tout explorer et me faire le boss à la fin avant d'y aller directement. Vous pouvez y aller directement, après c'est peut-être pas vraiment la chose à faire puisque vous pouvez ramasser une nouvelle arme si vous avez de la chance. Et pareil, monter en level et donc avoir d'autres améliorations qui pourraient vous aider à tuer plus facilement le boss. Donc c'est pas vraiment un conseil que je vous donne si vous trouvez directement la salle du boss, puisque ça m'est déjà arrivé qu'elle tombe juste à côté de ma case départ. On va appeler ça comme ça. Ou de la vie, ça je vois. Eh mais casse-toi toi. Hop. Alors surtout, il faut utiliser un maximum votre arme de base. Sauf vraiment sur certains mobs qui meurent plus vite, on va dire, sur une arme 2, 3, 4. Donc faut vraiment trouver les armes adéquates par rapport aux mobs. Sinon je vous conseille plutôt d'utiliser votre arme de base pour garder vos armes améliorées entre guillemets sur la base. Donc là c'est la salle piégée que je vous disais. Elle est également aléatoire, j'ai déjà eu ceci où il me semble avec des pics. Il y a... J'ai vu trois salles différentes pour l'instant. C'est quoi ici? Ok, c'est une grande salle. Hop. Après, ils peuvent vous mettre aussi quelques petits défis sur les salles où il y a les minions à tuer. J'ai déjà eu une salle avec des obélisques où il fallait détruire les obélisques pour tuer tous les mobs. Sinon, ils venaient à la chaîne et il fallait tous les tuer. Bon, forcément, je vais peut-être tomber. Si j'arrive au moins à aller au level 2 avec vous, je pourrais peut-être tomber sur cette event entre guillemets. Changer d'arme parce que hop. Donc l'argent, faut que je regarde vraiment à quoi ça sert parce que j'ai pas vraiment regardé. Bon, là y a rien. Je peux rien faire ici. Je ne sais pas. Là, je vais bientôt passer level 3, si je n'ai pas de conneries. J'ai pas oublié de truc. Non. Donc là, je vais retourner en bas parce que j'ai oublié une pièce. Donc, comme je vous ai dit, la salle du boss n'est pas forcément à 300 km de votre point de départ. Il peut être bien à côté. D'être grande, ça sent la salle avec l'obélisque. Voilà, je vous l'ai dit. Donc là, j'aurai trois obélisques à défoncer que je dois trouver quelque part. Et donc là, les mobs ils viennent tout le temps. En gros, tant que vous n'avez pas détruit les trois obélisques, les mobs sont tout le temps là. Alors, déjà, faut trouver les obélisques, ce serait déjà pas mal. Ah, voilà, les voilà. Donc là c'est pareil, c'est à peu près comme les boss, je vous conseille de prendre des armes autres que l'arme de base. Sauf que j'ai plus de munitions. J'ai un petit coup de ramenade à quoi. C'est pareil, il faut jouer avec les esquives, les trucs à défoncer. C'est dommage parce que j'ai l'arme 2 qui est à full et j'ai pas l'arme. Donc vous voyez comme quoi, même si je suis au premier niveau, ça peut être extrêmement difficile. Surtout quand j'ai un match des esquives. Hop, je
passe level 3. Ouais, ça va, je vais en pause. Là c'est pour la mana, là c'est pour la vie. Hop, on ça remonte un peu ma vie. Hop, on va faire un peu les choses. Est-ce qu'elle est l'autre déjà? Elle est là. Voilà, comme ça, ça tue tout le monde, je suis tranquille. Bon, chose un peu conne, c'est que ça tue tout le monde, mais vous ne dropez rien dessus. Après, c'est un peu normal, mais bon, j'aurais bien voulu avoir quelques munitions, quelques points de vie. Ce serait pas mal, parce que là, contre le boss, j'ai déjà une grosse tête de mort ou un gros gobelin qui shootait à terre. Je peux vous dire que quand vous n'avez pas les armes adéquates, c'est assez chaud. On va se barrer. Donc, à droite, j'y étais. J'y étais. On va retourner sur l'OPA. Donc ce qui est bien, enfin bien entre guillemets, c'est que rien ne repop. Bon là je pense que ça va être la salle du boss. Ouais, ça c'est la clé du portail qu'il vous faudra pour faire popper le boss tout simplement et pour pouvoir passer au second level. Sachant que les levels sont bien corsés, ça nous fait... Là, je suis bien tombé parce que la clé était juste derrière la salle du boss, mais comme toute salle, c'est vraiment aléatoire. Elle peut être bien au début, juste après le pop, ou soit à la fin, si vous avez pas de chance. Enfin, si vous avez de la chance ou pas de chance, tout dépend du contexte. Voilà, bon. Pareil, les boss aléatoires, j'ai souvent celui-ci. Voilà, j'ai un peu de chance. Bon, je dis quand vous... J'ai de chance, je veux pas me... Voilà, hop. Quand vous avez de la chance et que vous avez les bonnes armes, ça va vite. Mais bon, ça veut pas dire que vous avez forcément les bonnes armes. Alors, hein, ici, qu'est-ce qu'il y a? Switch your mana pools randomly. Donc ça fait la mana switch sur un truc random, aléatoire. Je vais prendre celui de gauche plutôt. Là, la vie, je suis à fond. Bon, apparemment, je suis à fond partout. Donc voilà. Là, ici, ça me charge le deuxième level. Donc là, vous avez un récapitulatif de votre level, de ce que vous avez fait. Donc, un nombre de points. Vous êtes classé avec vos amis qui ont le jeu, et même ceux dans tout le monde qui ont le jeu. Vous êtes classé, sachant que moi, je suis très, très loin du premier. Je crois que le premier doit avoir 5 millions de points, un truc comme ça. Là, je l'ai fait que 120 000. Alors, ici... Ah, bah je n'ai jamais eu cette arme. Vous aurez l'occasion... Enfin, j'aurai l'occasion de le découvrir avec vous. Donc vous voyez que mon point de pop était différent du premier. Le premier était une salle enfermée avec un seul chemin. Là, ici, j'ai directement le choix entre 4 chemins. Alors, on va y aller doucement. Ok, là, c'est pas la salle du boss. D'accord, c'est des grenades, ok. Donc la difficulté c'est pareil, en fonction que vous montez en level, la difficulté à tuer les mobs est plus haute que celle du niveau d'avant. Bon après c'est un peu normal parce que sinon ce serait trop simple. Bon vous voyez que quand on a les bonnes armes, assez de munitions, on fait tout ce qu'on veut. Tiens, j'ai détruit un mur, je savais pas qu'on allait détruire. Bon là je sais d'où je viens. C'est pas la seule du boss. Je prends mes devants. Je sais pas si le poison peut se recontourner. Contre les mobs. Oh. Alors eux, je les ai jamais vus. Je sais pas si ça a été efficace à. Grenade, c'est qu'ils font mal ces enfants en plus. Meurs, bitch. D'accord, je suis mort. Donc vous voyez comme quoi la difficulté
n'a rien à voir avec le level du niveau, mais bon, on voit bien que c'était quand même plus difficile que le premier level. Donc voilà, donc vous voyez à peu près le genre de jeu. La difficulté aussi, vous voyez à peu près comment elle est. C'est vraiment un jeu sympathique qui vous fait passer le temps. Sérieusement, c'est un jeu qui a été greenlighté récemment par Steam. Donc c'est vraiment un jeu qui plaît à la communauté. Et j'ai pas l'habitude de jouer à des jeux RPG première personne, mais c'est un jeu qui me plaît, que je commence à prendre du plaisir à y jouer. Je passe un peu de temps quand j'ai mes problèmes de connexion entre guillemets, pour bien préciser. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, la commenter, donnez-moi vos avis sur le jeu. Bon, de let's play, vous pouvez vite abandonner l'idée. Je pourrais faire des vidéos quelques fois pour vous, si j'avais vraiment à prendre du level sur ce jeu. Oh, par contre, c'est chiant. Ah, j'ai fait 177 kills, c'est bien, ça met un petit résumé. Non, je veux pas relancer le jeu. Je remercie encore Mr. Pingouz de m'avoir offert ce jeu. Je mettrai son lien dans la le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour et vous y abonner pour le remercier. En tout cas, moi je le remercie énormément. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo test, une nouvelle vidéo découverte. Ah, non, je ne crache pas, je me fais juste déconnecter l'internet. Une nouvelle vidéo découverte, un nouveau épisode de Let's Play et tout ça. Portez-vous bien et à bientôt.